T'as vu cette pâte? Ouais. J'en ai déjà eu deux, des éclairs comme ça là. Tu dis Sugar 3, on monte sur la boîte. On s'attend toujours à retrouver. Alors, chasse au trésor, du coup, on pense à la monnaie forcément, mais. Mais déjà, les céramiques, c'est pas mal. On en retrouve quelques-unes. Au final, qui sont pas passées au niveau des seaux, enfin, qui n'ont pas été forcément vues. C'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Après, c'est de la céramique ou de la faune. Après, oui, les métaux, on retrouve aussi des clous. Mais c'est encore plus difficile parce que. Avec la terre qui s'est accumulée plus la corrosion, ben on pourrait croire que c'est des amoncellements de terre séchées. Donc là, il faut être encore plus vigilant. On n'a pas des radars. Si on pouvait en avoir, franchement, des lunettes comme ça, un matos comme ça, ça pouvait s'inventer. Mais non, quand même, on est assez efficace. Hein. Par exemple, moi, le mobilier, c'est pas ma spécialité. Hein. La céramique, la faune, je ne connaissais pas grand chose. Mais à force, en fait, à force d'en voir. Bah c'est en faisant l'expérience. Hein. En tant qu'étudiant, on en voit en cours, oui, c'est bien, mais sur le terrain, vu que c'est encore plein de terre, c'est plus difficile à voir. Là, on se fait la main dessus, quoi. Donc, au bout d'un moment, on commence à reconnaître des pattes, des couleurs d'engobe ou autre. Au fur et à mesure du temps, ça passe tout seul, quoi. On a un réflexe. Là, voilà, par exemple, je suis en train de regarder, j'en vois une, deux, trois. Là, j'en ai sorti, je sors de. De la faune aussi, on reconnaît parce que voilà, c'est creux. Au poids aussi, c'est assez léger. Et voilà, c'est à l'instinct aussi. Quoi. Donc oui, au final, ça, c'est assez simple, mais quand même, il faut faire attention. Bah, faut deux yeux. Faut deux yeux, de la patience parfois. Bah après ça se voit quand même. Peut-être t'étales un peu, tu regardes. Il y avait le fils du responsable qui l'a fait hier. Il a trouvé des trucs, il a trouvé des morceaux de verre. Bah là, par exemple, on est en train de faire le relevé. Donc, je redessine tout simplement la coupe qu'on a fait. Les deux carreaux posés, donc là, je vais faire cette face-là. Puis en face, je vais le faire, mais dans le sens inverse. Et en recollant les deux feuilles, je vais la retourner et on aura les deux plans qui se recollent parfaitement. C'est beaucoup plus simple comme ça, parce qu'après, on reprend le dessin sur Illustrator, en DAO, et on a un dessin tout propre. Parce que la photo au final c'est bien, mais là ça permet de bien définir les couches, qu'on les voit bien apparaître. Bah, c'est du dessin, tout le monde peut le faire, je dirais. Il faut faire, tout simplement. Mais c'est qui celui-là? C'est qui celui-ci? Il y a quelqu'un qui est. Je triche. Je fais 20 cm plus haut, je vois tous les sauts, je vois un briquin, je vois. Ah non, c'est pas de la photo d'art. La photo technique, c'est pour essayer de remettre au mieux le contexte. Il faut multiplier les photos pour avoir le maximum d'informations pour travailler en post-fouille, pour traiter les informations, revenir sur les choses que l'on a vues. Puis après, là, c'est vraiment. Essayer de faire quelque chose qui soit représentatif de ce qu'on veut évoquer aussi. On a fini de tout vider, là je prends des photos de chaque angle, de chaque détail, parce que je vais évoquer par exemple les enduits qui sont sur les murs, donc qui recouvrent les murs. Et après je vais prendre des photos de détails pour montrer que les enduits sont différents entre les trois espaces de stockage. Du coup, voilà, on essaie de voir tous les paramètres, de rien oublier.
c'est la méthodologie, mais après ça reste des sciences avec un rapport subjectif à la chose, puisque en fait quand on fouille, il y a quelque chose qui émane du corps, on est sur le ressenti, c'est les sens qui parlent. Mes photos et tout ce que je fais, c'est déjà dans la vision de faire un rapport archéologique, donc un compte rendu scientifique où justement là on fait un scénario, c'est-à-dire que on va voir toutes les phases de construction, de mise en place des bâtiments, et après d'occupation, et aussi d'altération, de destruction, et puis de recouvrement. Donc nous, on doit montrer tout ça. Donc il faut prendre toujours le maximum d'informations, les photos en font partie, comme les relevés, les dessins, comme nos notes aussi, on prend sur... Alors maintenant, ça se fait sur le téléphone portable. Tout ça, c'est de l'enregistrement essentiel. Et puis en plus, après, on doit le redonner aussi aux autorités, donc au service régional d'archéologie, pour justement attester qu'on a bien enregistré tout. Là on est bon. Alors, tiens, ça va peut-être être le Serra qui va répondre. Quand on récupère le matériel dans les couches, qu'on le tamise, qu'on le trie, ça devient des actes un peu répétitifs. Hein. C'est la partie brute du travail. À la fin, ça devient instinctif. Non, ce qui devient plus intéressant, c'est après quand on a catégorisé le mobilier sur le terrain, qu'on l'a ensuite nettoyé et qu'on l'a ensuite enregistré sur des bases de données. Ben, c'est après travailler. Plus à l'interprétation, à l'analyse du mobilier en rapport avec les couches. Finalement, le mobilier apporte beaucoup d'indicateurs sur la vie quotidienne. Par exemple, quand on est sur des couches de remblai où le matériel a été rapporté en plusieurs fois, qui vient peut-être de deux contextes différents, on va essayer du moins de se rapprocher de la réalité historique. Une petite graine de noisette. Non, ça c'est sympa. Donc, on a deux jours. Et c'est là qu'on va sortir la surprise de fin. Ah. Mais généralement, c'est au moment où on s'y attend plus que ça sort. Ouais. J'aime bien les surprises du mobilier. J'aime moins les surprises qui remettent en cause tout. Allez, stylo. Voilà, 196, toi, t'es ? Mais là il change et il y a un truc qui change. Oui. De quoi? Bah, je t'ai mis deux seaux et j'ai qu'un bout de faux. Ah oui, la petite croix. Trouvée dans la boîte. Ça vient de la couche 7207. Petite croix. On va nettoyer ça, on va pouvoir avoir les inscriptions et le numismate va pouvoir nous dire précisément ce que c'est. Les dates d'émission, les mises en service, et puis si ça a servi longtemps, parce que usé, parfois on peut retrouver des monnaies très fraîches, et on appelle ça justement le frais. C'est le degré d'usure de la monnaie, et donc ça suppose derrière le temps qui a été mis en circulation. Ça c'est notre petit code, Castiz, donc casse-tête d'ISO en fait, c'est le condensé, 23 à l'année. Espace 12, bah, c'est l'endroit où ça a été trouvé, donc c'est un espace. US7207, donc bah, c'est la couche dans laquelle ça a été trouvé. Et monnaie, donc bah, voilà, parce que c'est une monnaie, on peut marquer métal, céramique, etc. Et num, parce qu'il va y avoir plusieurs numéros de monnaie. Puisqu'on en a trouvé, jusqu'alors, on en a trouvé 7 cette année. Mais comme je disais, les surprises nous attendent toujours pour la fin. On a toujours eu des surprises pour la fin. Donc, bah, on va voir ce qui nous attend. À force de trop les attendre, peut-être qu'on les aura pas. Mais chaque fois, on a eu des surprises sur la fin. Bon, déjà, une monnaie, c'est une bonne surprise. Mais on n'est pas encore tout à fait à la fin. Tiens, je te rends les boules caisses. Compliqué. 220, la fondation 201. Ouais, c'est ça. Il passe où le mur ancien? C'est celui-là?
Le mur qui est plus ancien, c'est lequel? Le mur qui est plus ancien, c'est celui-là. Donc là, ils sont allés au fond. Vas-y. Je prends une poignée, plein de graines. Je prends juste avec mes doigts comme ça, je regarde une graine. Et des graines? Pas de graines. Il y a des graines encore. Et là, je te sors des US. Notre objectif, c'était de terminer la fouille du logis cette année pour passer sur l'habitat en contrebas. Mais en fait, on n'a pas terminé. Bon, c'est un peu, ça peut se dire que c'est un échec un peu. Quand on n'a pas beaucoup de choses par rapport à ce qui était estimé au départ, c'est quand même ça l'archéologie. On estime, mais sans connaître. Et quand on a plus de choses qui est prévu, en fait, on est obligé d'accélérer le pas et puis de faire les choses plus rapidement, au risque justement de perdre des informations, pas d'enregistrer des informations suffisamment. Le SRA nous dit, vous êtes dans le cadre d'une programmée, donc si vous n'êtes pas terminé, laissez-en pour l'année prochaine, vous le ferez bien. On a beau essayer de faire des programmes, de se projeter, tout ça, en fait, il y a cette part d'aléatoire qui est aussi agréable, hein, quelque part. Parce que on est face à la découverte, redécouverte de choses, et on ne sait pas l'articulation des choses. Mais il y a aussi cette frustration de se dire, on est un groupe de personnes, on a un programme, il faut rentrer dans notre timing, et même en programmé, c'est ça quand même. Donc ça va, on a 3 ans, mais 3 ans, c'est à chaque fois on fouille un mois. Donc en fait, on a 3 mois de fouille. Voilà, c'est pas 3 ans. 3 ans pour faire le bon rapport final. Mais c'est 3 mois de fouille en fait. On va démonter le truc. Allez, venez manger à table. On arrive. Oui, attends, on arrive devant. On fera la suite après. Oui, on finit le un saut. Ok. Ils vivaient là, les gens, à telle date. Mais après, par exemple, on va trouver des couches où il y a des gros cailloux. Et ça, quand c'est des grosses roches de murs, tout ça, c'est souvent de la démolition. Et donc là, ils n'y vivent plus. On est d'accord. Et donc, chaque couche, on renseigne comment elle est, de quelle couleur, comment elle est quand on la gratte. Est-ce qu'elle est sablonneuse? Est-ce qu'elle est argileuse? Est-ce qu'on peut faire un petit boudin avec? Parce que quand on fait un boudin, ça veut dire qu'elle est très argileuse. Et ensuite, ça, plus tard, ça nous aidera à le dater. Et là, on va dire ce que c'est. Parce qu'on ne mélange pas tous les objets archéologiques qu'on trouve. On ne met pas tout dans une seule poche. Là, c'est de la céramique. Là, c'est ce qu'on appelle des poteries. Ça ressemble à des vases, on va dire. C'est ça. Ces pots, nous, ils sont cassés. On les retrouve cassés. Et plus tard, on va les envoyer à des spécialistes. Quand ils seront tout nettoyés, on l'envoie à des spécialistes pour qu'ils les reconstituent. Le céramologue, donc c'est celui qui traite de la céramique, il va reconstituer le pot et nous dire « ce pot-là, il est du 12e siècle, il est du 11e siècle », et ainsi de suite. Vous avez votre bol qui est là, par exemple, ou votre cruche, et là, c'est, c'est la poignée pour le porter. Et là, elle est décorée. Ça, c'est important aussi. Ça dénote d'un certain raffinement. Donc ça, c'est une première chose qu'on trouve dans les sites archéologiques. On trouve de la céramique.